permet à Ronaldinho de repartir vers la cage de Rougne. Pour Cardetti, Cardetti qui a pris un peu d'avance, qui va lober Rougne. Et le but d'El Chapoulin. Martin Cardetti en contre permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Et du coup, Cardetti rejoint Benjani Nonda en tête du classement des buteurs du championnat. Il m'en manque un d'ailleurs. Regardez, il manque Juninho aussi. Arrive Martin Cardetti qui va parfaitement juger ce long ballon à la différence de Rougne qui lui pensait ce ballon sans doute un peu plus fort. Et là c'est de la tête qu'il vient lober le gardien marseillais qui, s'il a été décisif les deux actions précédentes, et bien là juge relativement mal la trajectoire de ce ballon qui semblait pas très dangereux au départ. Sur le côté on a vu Heinze glisser plus ou moins au départ.